Il faut que je trouve cet antisérum et que j'arrange les choses. Il doit bien y avoir un moyen de convaincre Kelly et Otto. Je dois les convaincre de laisser tomber cette histoire de vengeance. Ils ont fait tellement de trucs bien pour l'humanité. Ils peuvent pas jeter tout ça aux orties juste pour Norman. Bon, Norman est parti chercher l'antisérum. Il faut que je prévienne Yuri. J'espère que les nouvelles sont bonnes. Oui. Oscorp vient de mettre au point un antisérum. On a un remède. Dieu merci. Vous pensez qu'on peut le diffuser rapidement? Ouais, je verrai ça au labo. À l'angle de la 10e et cathédrale. Minute. On vient de me signaler un accident d'hélicoptère dans cette zone. On dirait l'hélicoptère de Norman. Je voudrais bien vous envoyer des agents, mais je n'en ai aucun. Pas de soucis, je gère. Ce sera bientôt fini, promis. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 24 de notre incroyable aventure sur Spider-Man. Et jusqu'ici, franchement, qu'est-ce qu'on s'est amusé. Je pense que vous pouvez le comprendre. On approche grandement de la fin du jeu. Donc, on y va, on continue notre aventure principale. Et si jamais vous voulez qu'on retourne dessus, eh ben, je vous dis pourquoi pas. C'est possible, je ne vous promets rien, mais c'est possible. Après, on se concentrera évidemment sur Red Dead Redemption 2. Vas-y, que ça se bagarre comme des mômes. Des sales mômes surpuissants qui causent la mort et la destruction. On me demande souvent, pourquoi c'est des gens comme eux qui ont des super pouvoirs? Et pourquoi pas quelqu'un comme vous, Jonah? Ah, eh bien j'ai songé à exploiter la science pour m'attribuer des pouvoirs. Uniquement dans le but... Ok. Ok, on saura jamais la suite, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai rien touché, mais pourquoi pas? D'accord, bon, GGG, toujours cette petite réplique, bien évidemment incroyable. Il est toujours dans son ignorance à vouloir faire croire au monde que je suis quelqu'un de méchant. Et on avait un accident d'hélicoptère. On approche la fin du jeu. Je sais pas si c'est le dernier épisode, je ne pense pas. Mais attention, on y est presque. Ouvrez. Ok, clairement, il va prendre sa part celui-là. Je dois m'occuper de ces démons avant de suivre bon. Lee dans le labo. Je vais mettre ces snipers KO. Très très bien. Oh putain, je suis cramé. Je suis totalement cramé. Ok, c'est pas grave. Aïe. Hop, on le finish direct. Ah, je suis totalement cramé, catastrophe. On va s'occuper de lui aussi. Aucun souci. Aïe 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 aïe, je vous avoue que je pensais être un petit peu plus discret. C'est totalement... J'ai vraiment pris une balle. Ok. Hop, ça c'est cadeau frérot, hein. Régale-toi avec ça. Tu m'en donneras des nouvelles. C'est pas grave, on va... Waouh! C'est incroyable tout ce qui s'est passé. C'est à la fois nul mais à la fois drôle. Bon, je suis mort. J'ai pris quoi? Je suis mort. Je préfère la recommencer. Je vais être très honnête avec vous. Je préfère la refaire. J'ai clairement pris ma part. Bon, on va la jouer en plus discret. On va essayer d'ailleurs de rentrer dans le bâtiment sans se faire opérer une fois. En plus, j'aime bien les phases d'infiltration. Si on approche de la fin du jeu, autant s'amuser jusqu'au bout. Je dois m'occuper de ces démons avant de suivre Lee dans le labo. Je vais mettre ces snipers KO. Lui, c'est sans danger. Voilà. Lui, c'est sans danger, mais je peux plus. Ok. Lui, c'est sans danger. C'est déjà beaucoup plus sympa comme ça. Maintenant, comment je peux faire pour celui-ci? On va essayer de passer par là. Ok. Toujours sans danger, mais on peut pas. On va faire quelque chose de plus simple. On va descendre calmement. On va pas faire les fous. Je dois pas perdre de temps avec ces démons. Lee va s'emparer de l'antisérum. Hop! Éliminé direct. C'est pas grave, y a pas de chronomètre, je prends mon temps. Je kiffe un maximum. On va passer par là. Nous avons un snipers, bien évidemment, qui est à l'autre bout. On va se caler ici. Y a pas mal de monde en vrai.
Lui, c'est dangereux. Oh là là. Ok, et lui? Je peux peut-être les séparer. Yes, j'ai ma petite astuce. Ah. Ah. Pourtant. Ok, je d'accord. Je contrôle cette tour. Je ferais bien d'éliminer ces gars discrètement. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, c'est pas grave. Qu'à cela ne tienne, comme on dit. Oh là là, c'est un enfer. C'est un enfer. J'essaye de faire les choses correctement, mais... c'est pas évident. Ok. Jusqu'ici, je m'en suis plutôt bien sorti. Comment on peut faire pour lui? Sans danger. Oh là là, j'ai été le boss! Très très bien. Il s'incruste chez Sable, lié sur le sentier de la guerre. Oh, il y a lui là-haut qui est fort ennuyant. Il y a... personne par ici. Je peux pas le choper. J'attends qu'il se rapproche. Je peux. Allez hop, viens par ici. On va laisser les snipers. Ils nous posent pas vraiment de problème. Alors attends, sans danger, mais je peux pas le choper. Danger à partir de maintenant. Ok, on va faire gaffe. Toujours en danger. Peut-être, j'ai peut-être ma petite idée, peut-être qu'elle est par ici. Ok. Allez, hein. Oh, je suis cramé. Je suis totalement cramé. Ok. Allez, go. On y va calmement. C'est pas grave. Dommage, on aura quand même pas mal géré. Pas au point d'aller jusqu'au bout. Ok. Ça, hop, c'est pas où. L'IA a balayé les agents postés ici. Vos hommes bon. Ne contrôlent rien du tout. C'est bon. Je vous aurais prévenu, super-héros. Ok, 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 tu te trompes d'ennemi, mais bon, c'est pas grave. Qu'à cela ne tienne, comme on dit. Direction. Yo. Salut les gars, vous allez bien ou quoi? Aïe. T'étais pas obligé de me... putain, il m'a mis ma part. Ok. Oh, c'est... oh, c'est... oh, oh, c'est bon. Hop. Yo. Ah, c'était difficile de... oh, bah, c'est... il est mort. Hein. Il est totalement mort. Bon, mission complete. C'était pas trop mauvais. Ça prend les choses au sérieux. Ah. Ces types-là vont pas me faire de cadeaux. Par contre, ça va créer des problèmes. Vous croyez que c'est moi qui ai décimé vos gars? Waouh! What ma vie? Je suis Keblo! Putain! C'est tellement injuste! Ok. Regarde, regarde-moi ça. Voilà, ça c'est beau. On lui met sa part. Ok. Ok. C'est pas grave, on va repartir en l'air. Attention, on va tout faire pour rentrer. Voilà. En oh là là, ils sont chauds de ouf, eux. Attends, calme-toi, Star Trek, là. Je vais te calmer très rapidement, moi. Oh, t'as touché ton pote et ça fait mal. Oh, oh non, non, ça fait super mal. Que vous les gars, vraiment. On m'a pas dit que vos armes étaient un petit peu abusées, là. Ah, ah. Ok. Oh là là, j'étais pas dedans. C'est incroyable. C'est... incroyable ce que je prends. C'est un délire. On est reparti. Je pense qu'on va le recommencer pas mal de fois. Je pense même qu'on est finalement peut-être dans le dernier épisode. Ok. Oh là, c'est tellement gratuit. Oh, regardez, regardez, hein, je passe mon... mais, tu... mais... oh non, les gars, sérieux. L'échauffement est terminé. Ok. Arrête! C'est injuste!
C'est injuste. Oui, je m'énerve, monsieur. Compliqué cette histoire. Et regarde, regarde, regarde ce que je fais. Regarde, j'esquive ma vie là, les gars. J'esquive mon âme. Même mon âme ne connaît plus mon corps. C'est un délire, les frères. Ok. Non. C'est un putain de délire, les frères. Ok. Putain, c'est terrible, hein. C'est terrible, à moins d'arriver toujours à esquiver vraiment. Mais regardez! Ok. Mais j'ai pas le... Regarde, regarde! Cette double esquive latérale à triple entrée! Bien évidemment, un synchrone! Mais non, mais... C'est un délire! Wesh! Alors, comme disait Jules... C'est terrible! Oh, il vient de loin celui-là. Ouais, mais gros. Et encore, il peut te mettre des patates, le mec. C'est-à-dire que t'es là, tu le combo ses grands morts, tu catapultes ses morts en l'air, et le mec, il peut te mettre une petite patate des familles, ça fait toujours plaisir. Évidemment, ça te met KO. Attention! Ok. Oh, j'aurais dû filmer ça! Wesh! What? C'est du one-shot! C'est pas... Attention, hein. Attention, je suis à deux doigts de bouillard. Là, vous avez vu ce qui s'est... C'était du one-shot. Fallait pas me chercher. C'est de beaux rêves. Oh. Mais non, mais... Frère, tu mets des patates, gros. Regardez-moi ça. Mais... T'as même pas le temps d'aller voir le gars, quoi. Ok. C'est trop, oh, c'est trop, c'est un film de boule, les gars. Ok. Oh. Ok. Toujours plus. Oh, c'est beau. Oh, 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 oh. Mais je sais pas où je vais, je... Là où je t'emmènerai, c'est n'importe quoi, je passe mon temps à esquiver. Hop, voilà, à moins de faire toujours cette petite technique australienne. En vrai, je vois pas comment m'en sortir. Mais non! Hop, quoi, faut que tu meurs vraiment, t'es très très chiant. Voilà, celui-là. Hop, c'est du one shot. C'est bon, on a réussi à s'en sortir. Et encore, j'ai dû esquiver en l'air. Ah, oh, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est bon. C'est chaud, c'est chaud, les gars, vraiment. Je vais chercher Lee à l'intérieur. C'est très très chaud là. Vous avez vu tout ce que j'ai vécu, hein? Pouvoir de tenue prêt. Ouais, bah merci, merci, ça fait plaisir. Ça me rassure énormément quant à la suite de nos aventures, évidemment. Mais pourquoi c'est... Attends, ma tenue elle est cassée, c'est normal. Ah très bien, elle vient de se rallumer, tout va bien. Vous avez agressé mes hommes, détruit mon équipement et fait perdre des millions à mon client. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous tuer sur le champ. Écoutez, je ne vous aime pas, vous ne m'aimez pas. Mais Lee détient votre client dans ce bâtiment et il va le tuer si on n'agit pas rapidement. On peut s'affronter ou affronter Lee, mais pas les deux. Ça veut dire qu'on est cool? Vous allez m'aider à récupérer Norman. Après ça, je ne vous promets rien. Ça me convient. Il est hors de contrôle. Oh. Allez sauver Osborne. Je vais leur parler. Bien, les amis. Il y a deux secondes, elle me détestait, hein. Okay. Maintenant, elle me kiffe, elle me sauve la vie, elle me fait entièrement confiance, tout va bien. C'est une folie, ce truc. Je dois trouver un moyen de parler au Martin Lee que je connais. L'homme qui a bâti le centre Fist. C'est quoi ce délire, gros? On est où, là, les gars? C'est Silent Hill ou quoi, le bordel?
devoir piquer une tête. Ok. Va-t'en. Ça ne concerne que moi et Osborn. Allez, on est reparti. Dans le monde à l'envers. Je sais ce qui est arrivé à vos parents. L'accident. Tu es aussi insensible, Osborn. On rappelle que Martin Lee a subi une injection qui l'a rendu comme ça quand il était encore enfant. À cause de moi, à cause de ce que m'a fait Osborn. Votre passé ne vous définit pas. Ne laissez pas vous contrôler. Je me suis donné tellement de mal pour que mes parents soient fiers, pour faire honneur à leur mémoire. Mais pour véritablement leur faire honneur, Osborn doit être châtié. Je ne vous laisserai pas faire ça, Martin. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Porte dissimulée, bien joué! Oh, regardez comme c'est bien fait, c'est incroyable. C'est un délire de ouf. C'est la douleur et la colère qui alimentent son pouvoir. C'est le seul échantillon. Non ! Non ! Martin ! Je te l'ai dit, je suis désolé. C'était un accident. Je voulais... J'essayais de t'aider. Vous n'aidez personne. Vous les exploitez. Ça ne ramènera pas vos parents. Pourquoi tu tiens tellement à sauver cette sale pourriture? C'est vous que j'essaie de sauver, Martin. Ne laissez pas la haine gagner. Résistez. Ok, c'est parti! Mais c'est un peu plus tôt, je comprends rien là, les frères! Osborn doit être puni! Ok. Cadeau! Hop, tu me diras ce que t'en penses, frère. Osborn mérite d'être traduit en justice! Et pour ça, vous devez arrêter tout de suite! Je ne m'arrêterai jamais! Y'a plus de PC, y'a plus rien là, les gars? C'est la merde, hein? Ok. Très bien, ça ne marche pas. On va passer peut-être à une technique. Ah, d'accord! Ok, elle devient normale quand il utilise trop de pouvoir, très bien. On va pouvoir fuir. Ok, pas de soucis. Attends, excuse-moi Dark Vador, mais là, on a chacun nos problèmes. Ok. Non ! Non ! Je me suis fait doublement baiser ! Ok. Alors, je sais pas si c'est mes petites toiles, mais... Ce n'est pas vous! Allez. Exactement, je suis. On esquive ça. Ok. On va lui ramener ça. Voilà. Pas de soucis jusqu'ici. On a une petite maîtrise du jeu assez complète et très sympa, évidemment. Hop. Voilà. Ok, calme-toi. Attends. Reste avec nous. C'est bon. Aucun problème non plus. Deuxième combo. Accompli des crimes d'Osborn.
On va attendre qu'il redevienne normal encore une fois. Waouh! Ça c'est nouveau, ça vient de sortir, frère. Ça c'était une exclu en précommande. Ok. Hop, ça c'est cadeau. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça! Battez-vous, Martin! Vous pourrez vous en sortir! Non! Osborne doit souffrir! Ah! Ok! Va falloir qu'il se calme le Sasuke là! Ça va être compliqué. Je sais que vous pouvez battre le démon, Martin. Oh oui, d'accord, on va lui mettre des petites patates gratos, ce mec. Calmez-vous aussi. Je suis le démon. Voilà, hop, tout ça, ça dégage. Ok, pas mal ça. C'est pas mal. Hop. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ok. Je sais pas encore comment le battre. J'essaye plein de trucs. C'est un gros démon. Hop, ça c'est cadeau. Voilà, hein, on prend sa part gratuitement. Allez, on va pouvoir lui mettre un premier combo. Bon, ça craint. Son démon, pour l'esquiver, il va falloir que je prenne de la hauteur. Mais là, on rentre dans un deuxième pattern. Bon, on va falloir comprendre son délire. Hop, c'est beau, ça fait des flashs. On adore. Ici, les effets spéciaux. Calme-toi. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça met des petites patates. Ok. C'est pas mal. Allez, on y va. On lui remet son petit combo des familles. Ça fait plaisir. Allez, troisième pattern. Tout ça sera bientôt terminé. Ouais, je touche du bois. Ouais, je touche du bois aussi, frérot, hein. Oh, putain de merde. Ok. Mais non! Il est méga trop chaud, là. What? Ok. Non! Non, j'étais dessus! Oh non, j'avais plus qu'un triangle à faire, mais quelle erreur du joueur! Franco-israélien, africano, polono, francophone évidemment. Oh, c'est terrible! Waouh! Attends, je reprends, frère. Ok. Ça va, pas de soucis. Ok, je peux peut-être faire ça. Ça me paraît pas mal. Voilà. On se débarrasse de tout le monde. Ok. C'est pas mal. Ok, il va falloir que je me débarrasse vraiment de tout le monde. Je vais prendre la hauteur. Voilà. Allez, on part sur un petit combo des familles. C'est reparti. Deuxième pattern. Okay, on va se calmer par contre, s'il vous plaît. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai réussi à l'esquiver. Ok, on va rester en hauteur. Hop, ça, c'est cadeau. Oh putain, ça c'est un coup de sniper. Faudra vraiment que je fasse gaffe à ça. Ok, normalement on est sur le troisième là. Yes. Non, deuxième pattern, pardon, excusez-moi. Donc, un pattern, c'est une palette de coups qu'il va avoir et qui peut changer. Et là, ça change parce qu'il a à chaque fois un coup supplémentaire. Et c'est très très chiant. Je dois continuer, il est presque KO. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Tant qu'il ne fait pas le coup de sniper en l'air, je suis plutôt propre. Si je peux me permettre de l'appeler ainsi. Allez. Allez, on y est presque. Oh, 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 mon pouvoir de tenue. Très bien. Waouh! Voilà, bon, ça c'est le coup de snipe. Je tombe toujours dans le panneau. Ok, c'est pas mal. Ok, on va reprendre de la hauteur parce qu'il fait son coup à ras terre. Il en fout tout le monde, hein, il s'en bat les couilles.
Ok, c'est pas mal. C'est bon, dernier coup. C'est terminé, les gars. Bon, ça s'est passé un petit peu avant, donc vous l'aurez compris, il n'en est pas mort. Mais pas de cette façon, Martin. Incapable. Tu en fais une tête. Si tu savais à quel point ça me rend heureux. Prêt à faire ta sortie ? Parti. Il y a plus urgent pour l'instant. Il faut l'emmener à l'hôpital. Non, pas à l'hôpital. Au Fist. Et j'ai clairement pris ma part. Il y a juste un truc que je comprends pas, peut-être un bug, mais il y avait écrit un peu plus tôt, en plein milieu de la cinématique, et pourtant c'est pas plus tôt, puisque c'est la continuité exacte de notre entrée dans le bâtiment, donc j'ai pas compris, sûrement un bug je pense, mais j'ai pas saisi ce coup-là. Je veux parler au médecin en chef. Y a pas de médecin ici. Qui dirige ce centre? On va dire que c'est moi. Ah, d'accord. Ça fait longtemps, mais je dois pouvoir le soigner. Trouve-moi des masques, des gants, de tout ce que tu as de stérile. Merci. Remerciez-moi en restant en vie. Oh mon Dieu. Ça va. Mais il doit se reposer. Hé, vas-y doucement.
vous aimez. Ils disent qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Où est-ce que tu vas? Je dois retrouver Otto. C'est lui qui a le sérum. Je sais pas si je peux le battre. Peut-être pas. Peut-être que Spider-Man a besoin de son ami Peter. Quoi? Peter a travaillé sur ses bras, pas vrai? Alors il doit connaître leurs points faibles. Allez, champion, vas-y. Aïe, 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 toujours cette araignée, je l'avais quasi oubliée. Oh, elle est dégueulasse. Oh, ça me donne des frissons, je supporte pas. C'est infâme à regarder. Voyons voir. Non. Pas ça non plus. Peut-être celle-là. Non. Aïe! Ah! Très intéressant. Très 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 intéressant. Heureusement que j'ai fermé ma putain de gueule en milieu de let's play. Incroyable, il s'est donc fait piquer par une araignée qui est sortie du laboratoire, bien évidemment, d'Osborn, qui était sûrement en expérience. Bon, bah on verra où ça mène, mais la dernière personne qui s'est fait piquer, les gars, faut pas être, pas besoin d'être une lumière, c'est Peter Parker, et vous savez ce qu'il est devenu? Bien évidemment, niveau 39. MJ a raison. Incroyable. J'ai conçu l'interface neurale. Je dois donc pouvoir la détruire. T'as certainement tout ce qu'il faut pour ça au labo. Eh bien, vous savez quoi? On va tout simplement s'arrêter là. Tante May est dans une panade. La gueule qu'elle a, la pauvre Tante May. Mais on l'adore et on fera tout pour l'aider. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite et sûrement la fin de notre incroyable aventure sur Spider-Man. J'espère que cet épisode totalement dingue vous a plu. A bientôt tout le monde. Ciao, ciao.